La plupart des gens voient les parcs naturels régionaux comme des forteresses bien gardées, où il est interdit de circuler librement. Non, mais c'est pas ça. Mais à quoi il ressemble vraiment, le parc de Chartreuse ? Le parc de Chartreuse est un territoire rural fragile, qui est composé de 60 communes et où les habitants travaillent et construisent des projets ensemble. Dans ce parc, on trouve un patrimoine naturel et culturel remarquable. Par exemple, le cirque de Saint-Mène, connu pour ses grandes cascades, et le monastère de la Grande Chartreuse. On y trouve aussi des ressources et des savoir-faire que les habitants s'efforcent de préserver et de transmettre. Mais préserver ne veut pas dire ne pas toucher. Au contraire, les acteurs du parc exploitent les ressources du territoire, mais toujours dans un souci de développement durable. Le parc soutient les acteurs locaux et les entreprises en accompagnant la mise en place d'équipements ou d'initiatives modernes et innovantes. Dans le parc de Chartreuse, on met en avant toute l'année le sport et les loisirs pour ses habitants et ses nouveaux visiteurs. En fait, le parc de Chartreuse, c'est une multitude de projets menés par ses habitants et ses acteurs dans le but d'améliorer la qualité de vie, protéger les patrimoines et valoriser le territoire.